Ça va? Ça va, merci. Bien déjeuner? Oui, parfait. Il te manque rien? Non. Venue de l'Oise, Eva a décidé de passer ses vacances dans cette bastide marseillaise du 19e siècle, face à la mer. Elle est un endroit magnifique, un petit peu ancien, typique. Et c'est une carte postale qui n'a jamais oublié cette vue qui est franchement magnifique. Cette maison d'hôte, située à quelques kilomètres du quartier de la Castellane, fait partie de la coopérative Hôtel du Nord. L'objectif, mettre de côté les clichés et donner une autre image des quartiers nord de Marseille, souvent assimilés à la délinquance. Quand on rentre dans une hospitalité Hôtel du Nord, on est accueilli par quelqu'un, si vous avez envie ou pas, elle peut vous raconter son histoire, elle peut vous mettre en relation avec des personnes, etc. Michel participe à cette initiative depuis 11 ans. Cette semaine, elle accueille Eva chez elle. Je suis toujours à la disposition des gens, je les emmène balader. Ça, dans un hôtel, on ne le fait pas, évidemment. Elle souhaite faire découvrir le quartier de son enfance. Ça, c'est de la tuile. Ouais. En fait, c'était des rebuts, des usines de tuiles, et qu'on mettait à la disposition de la population. Ah ouais. Et la population pouvait aller donc se servir et bâtir leurs murs. Michel connaît parfaitement l'histoire des 15e et 16e arrondissements où cohabitent barres d'immeubles et secrets cachés du quartier populaire de l'Estac. Le meilleur ambassadeur pour visiter ces quartiers, c'est l'habitant. C'est tissé d'histoire, vraiment. Que ce soit l'histoire industrielle, comme l'histoire des pêcheurs, comme l'histoire des habitants, de ces grandes bastides qui ont abrité des gens, des nobles de Marseille, qui venaient passer leur week-end à Marseille. Pour découvrir l'histoire méconnue de cette partie de la cité phocéenne, il faut compter entre 15 et 80 euros par nuit, en fonction des chambres d'hôtes.